Salut à tous, c'est Jojo le Mars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau sutra d'Asuraswar. Donc, on va continuer. Je crois qu'on est au chapitre 14 avec Aikyasha. Donc, c'est ça. Donc, c'est parti pour le chapitre 14. Yasha et Sergei. Sutra 14. Des dieux et des hommes. Sergei, cette divinité. Il y a du monde là. Ah, ora, Goma a arrivé de Shimata. Ima Imashi. Soretomo, Yatsura a anomachi ni tsuku mae ni Kiko ga senmetsu shite kureru to demo. Il me fait penser un peu à Chucky avec ses yeux, je sais pas pourquoi. C'est parti, let's go! Encore une séance de tir en l'air. Va comprendre. Tu vois, j'essaye de me lancer sur des petits chiens. Je te rase, mon pote. Quoi? Oh non, c'est sur la furie là. Oh putain, fais chier. Putain, à peine commencer le jeu, déjà je perds. Allez, tu vas plus juste ce que c'est, mon chat! Tu peux pas le relancer, ça? Putain, fais chier! Allez. C'est pas possible! Bon, on va tuer. Alors, utilise ça. Fury! Ah, il est énervé là. Il a crié, il est énervé. Excellent! J'ai fait un trou dans le ballon. Yote. 因果要塞のマントラの3割程度が
ブラックマストラにより使用されました。Deux heures auparavant, Shinkoku All Imperial. Bien sûr, on sait qu'il y a le patron. アスラのマントラがブラフマーストラに匹敵するものだとしたら、アスラの行方も知れません。いつ再び我らの前に現れるか。デウス様、デウス様、ご報告いたします。ブラフマーストラでアスラを。よい、すでに聞き及んでおる。下がれ。ですが、このヤシャメは。下がれ。と。来て。デウス。我に見たび同じ言葉を語らせるか、オルガイ。申し訳ございません。パトロール chercher la DS。 やしゃよ。はい、意志なき力など無意味であり無価値。強固なる意志こそが不可能を可能とし、大義を成すための力となる。はい、ああ、我らがなさねばならぬこと分かっておる。なかなかに面白かったよ、デウス。ヤッシャ、世界を救うという大義に真摯であること、それは究極の美を求める心と通じるものがある。セルゲイ、次の討伐にはヤッシャを同行させるがいい。その意味わかるな。よい、我らの美しき使命の何たるかを今一度確認していただきましょう。敵出すコン。受けたまわりました。報告いたします。ゴーマが大量発生し、新都付近の都市に侵攻中です。ゴーマによる汚染は避けられませぬ。早急な浄化の許可をいただきたく。浄化か、ちょうどいい。Comme par hasard. Utskushiku, matte morau yo, Yasha. Ça sent les actions contextuelles. Ah non, même pas. Ah, ça sent le fighting avec l'éléphant. Assureur, soir. La colère d'assureur. Créature immonde. Position de combat. Je
Donc ouais, ça revient quand pareil, comme avec Ashura. Ils font enchaîner les éléphants. Oh les salauds, les salauds. Biche, biche. Bon, tout ça. Jamais tu mourras, jamais. Tiens, prends ça. C'est ça. Putain, on va devenir cet enfant. Par contre, il y a une vidéo. Ah, allez. Putain, les dégâts sont peur. Il me fait chier. Je crois que je suis en train de combattre. Fury! Le chat! Je fais voler les éléphants. Le chat n'aime pas les bleus. Couché le rhino. Oh putain, elle va faire la tortue là. Biche. Elle a volé la tortue. Un peu sur un éléphant. K.O. Ils sont trop nombreux. À ce rythme. Voilà, et ça vient qu'à envoyer la purification. Oh, mais qui est connecté? Dark Evil Joey! Septentrion Mizar. Ah, pas content. Dommage. Ils sont presque arrivés au village. Mais quelqu'un va faire son entrée fracassante. Regarde, ils sacrifient leur âme pour satisfaire les dieux, leur dieu. Enfoiré! Ouais, il a fait exprès cet enfoiré. Pour plus de mantras. Il est content ce savon. Avant que les mortels ne soient durés par les gommes, nous purifions leur âme et nous les absorbons. Il n'y a rien de nouveau, tu as été témoin de ce rituel ces 12 000 dernières années. Ton combat est noble mais sans espoir. Comme c'est disgracieux. Nous avons besoin de mantra coûte que coûte. Pour le Brahmastra. Vlitra. Vlitra.
Au revoir, Sergueï. On a un Asura démoniaque. To be continued. C'est le Dark Evil Asura. Alors... Partie 3, Karma, Stra 14, les dieux et les hommes, A, C et S. C'est A. Putain, point de combat, c'est dégueulasse. Alors, nouveau profil, Goma Minakshi, illustration. Shinkoku Transtrium, Shinto et Goma Minakshi. Nouvelle vidéo, ben, Stra 14. Partie BD. Alors, par contre, vu que j'ai regardé les BD un peu tard, parce que je m'en suis souvenu un peu tard, si vous voulez regarder sur les premières BD, je me rappelle, si je me rappelle bien, on voit Sagat à un moment et Ryu. Donc, regardez sur les premiers sutras, et normalement vous devrez les trouver. Alors, rapport des faits des gestes d'Asura, registre du capitaine Upala, des troupes de recherche. Nous avons la difficile mission de retrouver Asura. L'explosion due au Brahmastra a embrasé toutes les terres et le feu perdure, effaçant toute trace laissée par Asura. Malgré tout, nous sommes à la recherche du moindre indice. Nous avons réussi à trouver des empreintes sur un terrain enneigé, éloigné du principal centre d'impact. Nous les avons suivis. Peu après, nous avons découvert l'une de nos flottes engagées dans un combat avec les impurs. C'est alors que la chose est apparue. Alors, on va chercher, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Alors, une créature macabre calcinée et recouverte de suie, ses yeux étaient emplis d'une colère noire. Lorsque nous avons réalisé que c'était le déchu, la bataille avait déjà commencé. Notre armée ou les Gomas ne pouvaient rivaliser avec une telle puissance. Nous étions plus terrifiés et nous sommes restés cachés, la peur au ventre. Lorsque le déchu a tout exterminé, il hurla vers le ciel comme s'il appelait quelqu'un. Ici. Non, il n'y a rien. Alors. Après cela, j'ai continué seul à poursuivre Asura. Mes hommes étaient terrifiés et se sont enfuis, mais peu importe. Asura continuait d'aller à l'avant et massacrant sans effort tous les soldats du Shinkoku ou les Goma sur sa route. Étrangement, il ne s'intéressait pas aux autres demi-dieux ou aux humains. Maintenant, Asura se dirige vers la zone où les seigneurs Yasha et Sergueï procèdent à une purification. Pourquoi ? Qu'essaie-t-il de faire ? Son hurlement sauvage résonne encore dans ma tête, je dois savoir ce qu'il signifie. Sutra 15, une cause nouvelle. Asura déchire Sergueï en deux. Asura, waouh. Alors, menu principal, on va regarder ce qu'on a gagné. Comme d'habitude. Extra. Alors, profil. Goma Makmasha, je sais pas quoi. Hop. Minakshi. Alors, Goma. Goma est reine de grande taille ressemblant à un poisson. Ils sont souvent accompagnés de gomas de plus petite taille.
longueur 85 à 120 mètres, hauteur 50 à 70 mètres, largeur comprise 100 à 150 mètres, niveau d'impureté 1380. Illustration. Shinkoku Transtrium. Shinto. Hop, ici il n'y a plus rien. Ici non plus. Ici non plus. Ici ben non plus. Hop, Goma Minakshi. Je pense que c'est bon. Interview des vidéos. Le Sutra 14. Hop, et les iCats. Hop, tac, tac. 1, 2. Il n'y a que 3. C'est bon, ouais, il n'y en avait que 3, pardon. Ah, je vais juste regarder un truc avant. Pour regarder. Ah merde, putain. Donc vous voyez que la prochaine vidéo, ce sera le Sutra 15. Et si tout va bien, j'enchaînerai le Sutra 15 et le Sutra 15S ensemble. Donc on verra. Alors les jauges. Comme vous voyez, il y a énormément de jauges. Je sais pas par laquelle on commence normalement. On commence par le Vengeur, voilà. Défenseur, Destructeur. Alors, obtenir un rang total de A dans 3 sutras de partie 3. Karma dans n'importe quelle difficulté. 3 sutras, je n'ai fait plus, non ? Je sais pas. Alors, ensuite, ça on sait pas, on sait pas, on sait pas, et on sait pas. Voilà, bon, ça c'est fait. Je sais que pour avoir un succès, il va y avoir 2 jauges avec laquelle il faudra compléter le mode histoire entièrement, justement avec cette jauge. Et il faudra le faire 2 fois d'affilée, donc. Comme vous voyez, il faut terminer d'abord une fois le jeu comme moi. Dans la difficulté que vous voulez, bah après il faut le terminer en mode jeu, c'est mieux pour gagner le succès. Et après il faudra terminer encore deux fois le jeu avec deux jauges différentes pour gagner tous les succès quoi. Donc voilà. Donc sûrement qu'on se retrouvera sur un prochain épisode pour faire le 15 et le 15S. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à mettre comme d'habitude des commentaires ou des pouces. Donc voilà, allez, salut à tous.